Et bonjour à tous, c'est Pierre Max, votre poulpe rouge préféré. Je tourne donc l'épisode 5 de In the Chunk. J'ai eu un petit fail avant de commencer en fait, lorsque j'ai démarré la partie. J'ai un creeper qui est venu vers moi, qui m'a pété à la tronche. Donc du coup il avait juste pété ce bloc là, la torche ici. Voilà, donc plus de peur que de mal. Normalement tout est résolu. On va pouvoir débuter cette partie. Je tiens à préciser que donc la version 1.4 de Minecraft est sortie, mais je ne tournerai pas sous cette version-là, puisque j'ai démarré sous la version 1.3. Et donc du coup dans la saison 1, je tournerai uniquement dans cette sur cette version. Voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, c'est pas très grave. Donc avant qu'il fasse bah pendant qu'il fait nuit, on va dire. Je vais rester dans la mine pour être protégé, puisque si je remonte là-haut, je vais me faire tuer sûrement. J'aimerais un peu plus organiser cette cave, donc on va boucher un peu tout ça. Voilà. Hop là, mince. Et ensuite, on ira chasser le cochon cortex et la vache morsaille pour avoir un peu plus de viande. Voilà, comme ça va un peu plus organiser ma cave. Ça va être mieux. Je vous remercie en tout cas de m'avoir fait de m'avoir amené aux 200 abonnés sur ma chaîne. C'est vraiment génial de votre part. Je m'attendais pas à ça. J'espère que la série continuera à vous plaire. C'est le but. On va récupérer cette torche-là, parce que j'ai la flemme de monter là-haut en fait. On va la récupérer, on va la mettre ici. Hop là. Je vais un peu changer la forme de cette cave. Voilà. Voilà. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi faire un générateur de cobblestone alors qu'on est censé tout enlever de la mine. Eh bien tout simplement parce que ça fait partie de mes objectifs premiers sur cette série, c'est de construire un générateur de cobblestone. C'est tout simplement pour ça. Alors, il me reste de la cobblestone ici, c'est nickel. Et voilà. On va récupérer ce bloc de charbon. Et voilà. Bon bah finalement, on va monter là-haut, en espérant ne pas se faire attaquer. Il n'y a rien autour, rien à signaler, c'est bon, c'est nickel. L'arbre ici a poussé, on va pouvoir le récupérer. Puisque dans le dernier épisode, j'avais commencé à faire cette petite maison en bois. Et on va la finaliser tout au long de cette série. J'aimerais bien avoir des pousses, ce serait bien. Jusqu'ici, pas de pouce, c'est pas bon. Ah si, une. Ou alors j'en ai pas vu. Et une pomme. Bah voilà. C'est bien. Donc, il commence à faire jour, là il y a un squelette, on va faire quelque chose pour éviter qu'il nous attaque. Et voilà. Bon. Eh bien, avant ça, je vais vous proposer. Ah bah il y a un creeper ici. Dégage. On va faire le pauvre. Je vous propose donc d'aller chasser d'abord avant de commencer cet épisode. D'aller chasser un peu. Ah là il y a Cortex. Hop. De la bonne viande. Et je vous rappelle que je ne peux pas casser de blocs en dehors de mon chunk. Hein, c'est le but de la série. Donc je ne peux pas poser de bloc, faire quoi que ce soit. Je peux juste chasser. Et là nous avons Morsaï, la petite vache. Ce qui est bien avec le texture back, c'est qu'il y a des vaches noires et des vaches blanches. Il faut évidemment que je ne me perde pas parce que je n'ai pas de point de spawn et je ne peux pas mourir.
Donc voilà, là, il y a un creeper qui est resté ici. On va essayer de le chasser. Il y a une personne aussi qui m'a posé la question si un creeper explosait en dehors de la zone, les blocs qui se drop, est-ce que je peux les récupérer? Oui, je peux les récupérer. Tout ce qui est item et blocs droppés par terre, je peux évidemment les récupérer. Voilà, on va redescendre. Allez, il reste 2-3 cochons à tuer. Je vais revenir à mon point de... à mon choc. Évidemment, l'herbe que je casse, je ne peux pas... je peux pas faire en sorte de pas les casser. Hein. Allez. Allez Le texture pack rend les vaches assez jolies quand même, j'aime bien. Ah, une cuillère. Allez, une dernière. Et voilà. On revient donc au chunk et on va continuer à monter les murs de notre maison. Voilà. Moi, je vais juste mettre à cuire par contre avant la viande. Voilà. Allez, on va continuer à monter les... on va reprendre le bois restant. Et en fait, il va falloir que je fasse pousser des arbres, c'est obligé. Bon. Eh bien, eh bien, 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 bien. Eh bien, eh bien. J'ai de l'argile. J'ai du fer qu'on va mettre à cuire. On va faire fondre le fer plutôt. Ça c'est du steak cru. Et c'est qu'on gagne de l'expérience en fait lorsqu'on récupère de la viande. J'avais oublié. Et bien là, nous sommes chanceux. Nous avons un arbre géant qui a poussé près de la maison. On va donc en profiter. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous voyez, hors de du chunk, je ne peux pas casser ce bloc. Je suis condamné à laisser l'arbre ici. Ou alors on le cassera, mais je récupérerai pas le bloc. Hop. Volley-volou. Oh, il n'y a plus de bois là, c'est pas pour ce bon. Il va y en avoir un par là, je pense. Même pas. Tant pis, c'est pas grave. Allez, donc, je pense qu'on a assez de bois pour continuer l'aventure. Merde. Voilà.
Et je pense que dans cet épisode, on va changer le... Ah, voilà, la jambe cassée. On va changer en fait l'entrée de notre cave. Pour avoir moins à sortir de la maison. Donc du coup, on va la faire aussi. Il faut une pioche. Et voilà, comme ça. On va juste refaire les escaliers correctement. On va les faire en... Bon, à terme, on mettra des escaliers un peu plus jolis. Enfin, des vrais escaliers, hein, pas des blocs de cobblestone. Ah bah, il pleut. Il pleut, il pleut. Il pleut. Bon, j'espère que je vais pouvoir faire pousser ces arbres-là, parce que j'en ai besoin. Et du fer. Ce petit bloc ici. Et qu'est-ce que je peux faire cuire encore? Rien d'autre. Si on va mettre à cuire notre viande. Voilà. Donc ici nous allons mettre notre on va faire ça plus joli. Non. Et mince. Autant profiter de la cobblestone que nous avons. Voilà. Voilà, bon, on laissera ça comme ça pour le moment, c'est bon. Les escaliers, on verra ça plus tard pour les arranger. C'est pas le problème pour le moment. Alors, donc le générateur de cobblestone là sur ce dos, c'est bon. Il va falloir par contre que je mette en place notre ma culture. Donc on va se faire une porte. On va donc se faire une porte avant ça. Voilà. À faire ici. De toute façon, on arrangera au mieux au mieux la maison après. C'est pas le problème. Et voilà, c'est un bon début déjà. Donc, ça commence à pousser. Je vais juste récupérer donc la faux que j'ai ici et les graines ici. Voilà, et puis on va se faire un petit canal d'eau là. Voilà. Alors juste avant par contre, je vais me faire une source d'eau ici. Ça est moins loin déjà. Voilà. Non, marche pas ça. Ici. Et voilà. Bon, ça maintenant on s'en fiche. Il faut juste que je laisse un peu d'herbe sur mon chunk parce qu'après... Ça fait aussi partie des buts que j'ai dans la série. C'est de garder au moins un bloc d'herbe dans mon chunk. Voilà.
Voilà. On va donc retourner la terre ici. Et voilà. Bon, bah avec l'eau, ça va pousser un peu plus vite, je pense. De toute façon, j'en ai pas d'autre. Ah, puis on va se faire peut-être de la canne à sucre. Voilà. Je pense que ça ira. Je pense que ça ira. Et on va découper cet arbre-là, et puis on va se quitter sur ces dernières images. Je suis désolé, les amis. Ah oui, d'accord, ok. Je me demandais, il y avait de l'eau qui coulait, mais là, en fait, c'est l'eau qui... la pluie. Je me rappelais pas que ça coulait à travers les feuilles. Allez, une pomme, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de pomme. En fait, je récupère rien. Bon, je vais faire pousser... Je vais juste faire pousser quelques arbres ici. Merci. Ah, du coup... Oula, il y a un Enderman que j'ai vu pas loin. Il tourne autour de moi. C'est pas bon ça. Bon, sur ce les amis, merci de m'avoir regardé pour le cinquième épisode pardon, de Hit the Chunk. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me regarder chaque semaine. Ça fait énormément plaisir et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le sixième numéro de Hit the Chunk déjà. Merci à tous. Ah, il est par là. Allez. Ciao, ciao. Salut, salut. Oh non, putain, le creeper. Non. Oh la vache. J'ai pas commencé le truc, il m'explose à la gueule.